Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas, l'homme du moment, l'homme qui donne des informations vraies, l'homme qui n'a pas peur des analyses justes et vraies. Alors, on parle de 97 000 dollars, soit 93 000 dollars, où on fait rigoler à Pullman Hotel, un concert privé, où il y a Betaki. Concert était privé, ce n'était pas un concert où faire à Tchaki, c'était un concert privé. Qu'on a concert privé, on a fait à Zoui 97 000 dollars avec français belge, soit 97 000 dollars, pardon, français normal. Alors, moi, ce que je vais dire dans la vidéo ici, c'est que les Wario ont compris que Ferregola, il est revenu avec force. C'est un retour du lion. Ouais, Ferregola, il a déjà compris les jeux. Il a pris le temps de comprendre les mensonges qu'il fallait être en train de jeter sur les réseaux sociaux. Ferre a compris les mensonges qu'il fallait pour être entré les calomnies de Fally pour envers tous les musiciens. Aujourd'hui, tout le monde, les yeux est viré vers Ferregola. C'est pour cela que vous voyez nos frères de Wario. Ne savent pas sur quel sein se vouer. Ils sont devenus des aigris sur les réseaux sociaux. Les Wario sont devenus les aigris. Très, trop agressifs. Ils sont là pour insulter tout le monde. Si vous vous souvenez, après le concert de Ferregola, tout le monde a félicité Ferre. Même les Wario ont dit félicitations, puisqu'il n'y a personne qui s'attendait à la prouesse, à la force maximum de Ferregola au concert des Stades des Martyrs. La façon dont Ferre a chanté, du début jusqu'à la fin. Ferre n'a pas été un monsieur de tout le monde. Tout le monde. Fally, à chaque fois, il chante. Regardez à Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. Après deux secondes de chant, il dit, allez tout le monde. Allez tout le monde. C'est comme si les gens sont venus chanter pendant que les gens sont venus assister. Ils sont venus voir Fally Ipupa chanter. Mais Fally, comme il n'est pas capable de reproduire exactement ce qu'il a fait dans le studio, il vient avec des chansons qui sont déjà pré-enregistrées. Comme sa voix n'est pas une voix qui colle dans les concerts bien comme il faut, il est obligé à forcer les gens à chanter avec lui. Il a toujours été là pour dire tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, c'est quel musicien. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a compris. À partir du concert que Ferregola a livré la fois dernière et au Pullman, les gens ont compris qu'il n'y a pas de musiciens de la cinquième génération qui sont mieux comme Ferregola. Ils ont compris que Fally était en train de faire la campagne des mensonges. Il nous amenait que pas de la musique, il nous amenait une sorte de musique. Ce n'est jamais été une musique, c'est une sorte de musique. Il peut faire une bonne musique au studio, mais quand il vient faire les lives comme ça, Fally n'a jamais été bon. C'est pour cela aujourd'hui, les Wario sont devenus des aigris, trop méchants. Ils ne veulent pas écouter quelqu'un dire que Fally n'a pas bien fait. Ils ne veulent pas écouter que les gens disent Ferregola a mieux fait que Fally. Pour pas, ça devient de la guerre. C'est pourquoi, c'est parce qu'on a toujours dit en français, qui se sent mauvais, c'est mouche. Ça, c'est le slogan, qui se sent mauvais, c'est mouche. Ils ont compris que Ferregola a mieux fait. Du début jusqu'à la fin, il a rempli le stade plus que Fally. Il a mieux chanté plus que Fally. Il a raflé beaucoup d'argent sur le streaming, live streaming. Quand j'ai fait la vidéo hier concernant le live streaming, il y a beaucoup de Waro qui ne m'ont pas compris. Ils m'ont insulté. Ils ont dit que Fally, il a toujours fait beaucoup de streams. Oui, Fally fait beaucoup de streaming sur les Spotify, sur les audios. Mais j'ai parlé de live streaming. Quand quelqu'un est direct sur les plateaux, est en train de chanter au podium, on le voit directement, on paye les concerts. Ça, c'est ce que Ferre a fait. Il a fait 27 000 dollars, 27 000 streams, live stream. Et puis, chaque stream était payant 5 dollars. Quand vous faites 27 000 fois 5, ça faisait 135 000 dollars. Ça, et je pèse mes mots et je confirme que c'est ce que Ferre a fait au Stade des Martyrs.
Aujourd'hui, Pullman Fair est sorti avec 97 000 dollars directement comme ça, sans compter les Sadaka, sans compter les Mabonza, ce que Ferrigola a fait. Pourquoi, quand on vous amène des informations pareilles, vous voulez bloquer les gens, vous ne voulez pas que les gens puissent parler, qu'ils puissent dire de la vérité? Moi, je suis ici pour ne que relater ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et les informations qui m'arrivent directement. Et j'ai confirmé, j'ai regardé et je confirme que oui, Ferrigola a fait 97 000 dollars au Pullman Hotel. Ça, ce n'était même pas un concert public comme ça. C'était seulement un petit concert privé. Grâce au sein des martyrs, la prouesse, la valeur, la capacité artistique que Ferrigola nous a montré au sein des martyrs, lui a donné un concert privé que Ferrigola a récolté, dans lequel Ferrigola a récolté 97 000 dollars. Pendant que Fally en Europe, il était en train de se promener avec des tempêtes, des babouches, dans la rue, avec un gros pantalon, dans la rue, pour visiter les matchs de la rue. Ferrigola, lui, il s'est tapé de l'argent ici. Vous savez bien que Fally Poupa avait sorti beaucoup dans les pays, faire des concerts à l'extérieur. Souvent, ce sont des concerts de bénévoles, concerts de visibilité, concerts de présence. Souvent, ce n'ont pas été des concerts payés. C'est pour cela que vous allez voir les concerts qu'il a joués il n'y a pas une semaine en Europe. Il n'y avait pas de prix. C'est comme s'il était invité juste pour agrémenter la soirée. Et puis, les gens commencent à dire qu'il a fait les pleins. Avec quel prix? Quel prix? Donne-nous le prix. C'était où? Pour que vous puissiez comprendre maintenant les maçons de ces warriors, ils ne veulent pas écouter des vérités. Ils veulent amener toujours au tiers avec des maçons pareils. Nous, on va commencer toujours à dire la vérité. Quand Fally fait une chose de bon, je suis là, vous me connaissez, j'ai toujours félicité Fally à des bonnes choses. Comme il a fait l'album Formule 07, j'ai félicité parce que j'aime presque toutes les chansons. J'aime et j'assume ce que j'ai dit. J'ai aimé et j'ai téléchargé plus de 11 vidéos, de 11 chansons jusqu'à aujourd'hui. J'ai téléchargé plus de 11 parce que j'aime les chansons. Si quelque chose est bon, est bon. Mais on ne peut pas comparer. Quand on parle des affaires d'aujourd'hui là, je parle de 97 000 dollars que Ferrigola a fait à Pullman. Je n'ai pas dit que Fally n'a pas fait beaucoup d'argent aussi. Il l'a fait, mais je n'ai pas des informations pour les relater sur les réseaux sociaux. Mais je relate ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu de beaucoup de personnes et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Tout cela, ça connecte et puis je viens confirmer sur les réseaux sociaux. Pour être aigri, quand vous ne voulez pas qu'on vous dépasse, pour être haineux, c'est quand vous ne voulez pas que d'autres personnes fassent de bonnes choses. Dans la vie, on ne peut pas vivre seulement dans une dictature. Il y a les pays qui sont déjà démocrates, il y a des pays libéraux et les pays progressistes. Moi, je ne suis pas dans la dictature. Je suis un homme de progression. Je suis un progressiste. Je suis un libéral. Si les choses sont bonnes, je vais les féliciter. Et si les choses vont à la contre de mes volontés, de mes sentiments, je vais les dénoncer. Je dénonce aujourd'hui les capacités d'accepter la force de Ferrigola. Vous qui voulez que toujours Fally soit le numéro 1, numéro 1, numéro 1, mais oui, on comprend qu'il a fait mieux, il a déjà fait beaucoup par rapport à Ferrigola, il a beaucoup de choses, il a fait beaucoup de sorties. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui on parle, au moment où je fais la vidéo ici, c'est Ferre qui tapote, c'est Ferre qui chapeaute les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est Ferre qui chapeaute l'actualité aujourd'hui, musicale aujourd'hui. On ne peut pas changer l'histoire, ce sont des vérités et on doit vivre dans la vérité. Comme je m'appelle toujours Ange de Lumière, l'homme des vérités, Maître Djoraï. À passage, je dis d'abord coucou à mon vieux Eddie Guerrero, le Tarzan d'Afrique, qui vit à France au moment où je vous parle. C'était guerrier de tout l'état du Congo, l'homme qui a libéré le Congo plusieurs fois. Il a combattu sous les drapeaux congolais, drapeaux angolais, au nom juste de protéger notre patrie, notre nation. J'ai fait coucou à lui, il est à France, avec mon coach Biol Mundabi, que je salue également. Il y en a beaucoup, Dadi Akuza,
Bana Sarcelle, Bino tout, je vous fais coucou, vous êtes nombreux, je ne sais même pas qui citer et qui oublier. Je vous aime, vous qui aimez mes vidéos, vous qui partagez mes vidéos, vous qui partagez les, vous qui mettez les j'aime, commentez, je vous porte dans le cœur. Anne Mbala, Yana, Madeleine M, Niaou Niaou, Joël Ndelo, Joël Ndende, vous tous en tout cas, je vous aime trop, je vous adore, je vous porte dans mon cœur. On se revoit, on se retrouve dans la vidéo précédente, prochaine, tout en espérant que les Wild, vous allez mettre un peu du vin, un peu d'eau dans votre vin, puisque il faut de temps en temps accepter la force de l'autre personne. De temps en temps, il faut savoir comprendre que les choses peuvent changer. Il y a des fois Barcelone perd devant Real de Madrid. Il y a aussi des fois où Real de Madrid perd devant Barcelone. Et c'est ça la vie. Être un grand homme, c'est un homme qui accepte la valeur de l'autre. Un grand homme, c'est celui qui accepte aussi qu'il peut avoir des faiblesses dans sa vie. Ça, c'est un grand homme. Un grand homme, c'est celui qui sait dire oui. Tu es un homme comme moi. C'est ça la valeur des grands hommes. Mais vous, les Warriors, vous vous comportez comme des petits hommes. Vous vous comportez comme les hommes qui n'ont pas, de maturité. Vous devrez apprendre à cultiver la maturité. La grandeur ne se fait pas dans des insultes. C'est l'acceptance de soi. Il faut accepter aujourd'hui que Fally est dans la faiblesse. Regardez le nombre de vues de Fally d'hier et d'aujourd'hui, le nombre de visibilités de Fally ont diminué. Les Fally de 2 ans, ce n'est pas les Fally d'aujourd'hui. Il faut accepter des réalités comme ça. Fally est certes bon, mais pas bon chaque jour. Il y a des fois même un bon. Il peut s'asseoir sur les bas des réserves. Et un autre joueur qui va entrer et marquer les buts. Il y a des fois, Ronaldo, il entre au stade, il ne fait rien de bon. Quand on va les remplacer, il y aura un remplaçant qui va faire mieux que lui. Ça arrive. Ça arrive. Messi est Messi, mais il reconnaît qu'il y avait Ronaldinho à un moment donné. Messi, il est là, il sait qu'il y avait Ronaldo. Phénoménal à un moment donné. Ronaldinho, il connaît la valeur de Ronaldo. Ronaldo connaît la valeur de Ronaldinho. Ce sont des réalités que vous devez savoir vivre avec. On ne peut pas vivre dans une dictature. Je le dis et je le répète. Encore une fois, non. N-O-N. C'est moi, votre Gilmas, votre frère, votre oncle, votre tonton.